C'était plein dans ce frigo, voilà. Et puis niveau que j'ai mis, voilà, il y avait 10 paquets de cannes ici là. 10 paquets de cannes, voilà, parce que j'ai une grosse commande demain matin très tôt, voilà, demain matin très tôt. J'ai une demain matin très tôt, j'ai une grosse commande, voilà. Et puis pour tous ces celles là qui ont besoin du jus de canne à sucre, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, vous savez, la spécialité de Mbanga Diaspora, c'est d'offrir du bon jus de canne. Voilà, donc n'hésite pas. Voilà, on vient de finir. C'était pas du tout facile. Voilà, c'était pas du tout facile. On vient de finir. Et on remercie le Seigneur sans toutefois oublier justice, justice pour Martinez Zogo. Parce que la justice pour Martinez Zogo, c'est aussi pour nous-mêmes. Quand tu demandes justice pour quelqu'un qui est décédé, puisque le mort en fait n'a plus de problème. C'est un repos éternel. Les gens se moquent souvent des morts. Alors que le mort se moque du vivant parce que le mort n'est plus de ce monde. Il n'est plus avec toi. Il va en fait se reposer. Les seules personnes qui ont plus mal, c'est ceux que le mort a laissé. Alors pourquoi, quand tu es élevé à un certain moment de la vie, tu comprends que non, tu dois te battre. Si tu as possibilité de pouvoir sauver la vie à quelqu'un, pour qu'il continue le combat qu'il a commencé. Parce que quand tu ôtes la vie à quelqu'un, ou bien quand tu n'aides pas quelqu'un, ou bien quand tu facilites la tâche à quelqu'un de mourir, il va en fait se reposer. Il n'est plus avec toi. C'est fini. C'est pourquoi la vraie compétition même, il faut le faire avec les vivants. Oui, vas-y. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Nous devons batailler pour que justice, justice soit du côté de Martinez Zogo. Pourquoi? Parce que réclamer justice pour Martinez Zogo, c'est réclamer justice pour nous-mêmes. Parce que c'est nous les vivants. C'est nous qui allons faire face aux difficultés dorénavant. Parce que le sieur Martinez Zogo est parti. Est parti. Les seules personnes qui auront mal, c'est toi, c'est moi, c'est sa femme, ce sont ses enfants qui seront un souvenir. Et faites attention. Parfois, les pareilles situations font à ce que l'un des enfants de ce monsieur devient un homme très puissant. C'est un constat que j'ai fait. Les orphelins sont souvent des personnes très puissantes, même dans la vie en société. Même après plusieurs années,
Donc voilà. Car absolument, la nature va les récompenser. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Parfois, il y a des sacrifices humains qui arrivent dans certaines familles. Il y a des décès, parfois, brutaux dans certaines familles. Et avec les années plus tard, vous découvrez quelque chose de terrible dans la famille, là, de très grand. Vous voyez souvent les grands, là, demandez souvent leurs histoires, leur histoire. Les très, très grands, il faut souvent demander leur histoire. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, quand tu sais où tu vas, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà, moi je ne panique pas concernant la situation de Martinez Ogo. On connaît déjà ceux qui ont fait cela. Maintenant, même si les hommes trichent, Dieu va réagir. Et quand Dieu réagit, il décime ta famille. Il touche là où tu ne t'attendais même pas. Il touche même ce que tu avais caché. Il touche même là où tu ne t'attendais pas. Il touche ce que tu avais caché. Donc il faut rester debout. Ok? Il faut manifester. Il faut demander justice. Voilà. Et puis, il faut aussi prier. Il faut prier, il faut jeûner. Parce que le jeûne, c'est quelque chose de très bien. Il faut jeûner. Il ne faut pas seulement demander justice. Mais est-ce que tu as jeûné? Il faut jeûner. Le jeûne que tu vois là, ça sauve. Ça purifie. Ça fait changer même les intentions de ton ennemi. Oui. Ça plie les mauvaises décisions. Quelqu'un peut vouloir te faire du mal. Le fait que tu as gêné, il fait selon la volonté de Dieu. Devant toi, il se plie. Alors qu'il avait déjà mis en tête, il avait déjà prémédité qu'il va te faire du mal. Mais le fait que tu as gêné, quand il te voit, il change d'avis. Donc le jeûne est très important. Est-ce que toi tu jeûnes? Est-ce que toi qui jeûnes? C'est moi qui ai appris ma mère à jeûner, hein. Elle avait déjà plus de 60 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on connaît tout. C'est moi qui ai pris ma maman à jeûner. Ma maman qui a 72 ans. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Vous voyez à quel œil il est. Voilà. Il faut toujours s'adapter. Et la plus grande richesse d'un être humain, c'est de pouvoir s'adapter. Quand tu peux t'adapter à tous les endroits, à tout milieu, c'est ta première richesse là-bas. Et c'est ce qu'il faut former tes enfants. Dès maintenant. Il ne doit pas choisir un repas. Ah oui. Le jour qu'il devient grand, il devient adulte. Il peut choisir le repas chez lui. Mais tant que tu as encore un homme sous ton toit, ne laisse pas que tes enfants choisissent le repas. Adapte tes enfants. Fais à ce qu'ils s'adaptent à tous les milieux. Mais oui, il faut jeûner. Oui, professeur Sakodo, il faut jeûner. Le jeûne est très bien. Non, le jeûne est bien. Le jeûne nourrit en fait. Le jeûne purifie le corps. Tu cherches le boulot, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? J'ai un petit qui a fait un concours. Je l'avais dit, il faut souvent jeûner. Il avait déjà fait le concours là, parce que trois fois, il n'a jamais passé. Et faites attention, il avait un mauvais nom. Quatre jours avant d'aller composer, il a jeûné trois jours. Hein? Pourquoi? Ah, tu es écrasé. Hein? Ok, vas-y. Donc, ouais, merci. Dépose, vas-y. Je vous dis bien que quatre jours. J'adore le thé. Ceci, c'est le thé. Le thé de canne à sucre. Avec du lait, citron et deux autres choses. Voilà. Je ne finis pas. Celui qui a besoin, il passe sa commande. Donc voilà. Et le petit là, il a fini par passer son concours. Donc le jeûne est très important. Si tu ne sais pas ça, il faut apprendre à jeûner. C'est pas une affaire de galère. Voilà. C'est pas une affaire de galère. La famine n'a jamais tué quelqu'un.
Non, 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 non. Tu veux profiter ou bien tu veux discuter en fait. Jeûne et tu verras que le lendemain tu n'auras pas faim. Tout viendra à toi. On ne jeûne pas parce que on attend ce qu'on va manger. Non. On jeûne pour se purifier. Le jeûne nous purifie le corps. Le jeûne nous nourrit. T'entends-tu par purification de ton corps? Le jeûne, en fait, enlève le ndoutou dans toi. Le jeûne est bon pour l'organisme. Merci à toi, Tchato Roland. Oui, bien sûr, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Tu cherches le mariage. Tu cherches une bonne femme. Tu veux te marier. À la veille, il faut jeûner. 3 jours, 4 jours avant, il faut jeûner. Tu veux faire un concours, il faut jeûner à la veille, c'est très important. Ça chasse les mauvais esprits, le jeûne. Parce que ça purifie ton corps. En nous, il y a les déchets. Qu'est-ce qu'une souris, qu'est-ce que les moustiques font dans un espace? Parce que cet espace-là est pollué. La souris ne se trouve que là où il y a un peu ce qui peut grignoter. Quand un espace est propre, tu ne verras jamais la souris là-bas. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc quand un espace est propre, tu ne verras jamais certaines choses là-bas. Donc le jeûne est très important. Donc toi qui demandes justice pour Martinez Ogo, il faut aussi jeûner. Il faut jeûner. Quand on réclame quelque chose, avant de réclamer quelque chose aux hommes, réclame-le d'abord à Dieu. Et pour parler mieux à Dieu, il faut jeûner. Est-ce que tu jeûnes? Il ne suffit pas seulement de demander justice pour Martinez Ogo, justice pour Martinez Ogo. Et dans le direct d'un leader comme moi, Mbanga Diaspora, on a le droit de respecter quand je prends la parole ou bien quand je suis en train de parler. Parce que ce n'est pas toi à venir me dire justice pour Martinez Ogo. C'est ce que je réclame matin, midi, soir. Donc voilà. Et pendant ce temps, tu dois vivre. Pour réclamer justice pour Martinez Ogo, on doit avoir des stratégies, des tactiques. Les stratégies, les tactiques. Le jeûne est très important. Quand tu jeûnes, même devant un enquêteur, regardez bien, même les hommes, les sorciers qu'on accuse, les sorciers, c'est des personnes qui savent beaucoup jeûner. Regardez bien les pères là, les papas qu'on accusait de sorciers. Regardez, c'est des gens qui ne mangent pas trop. Ils jeûnent. Parce que la nourriture rend impur. Oui. Si tu es même constipé, jeûne. Je conseille ceux qui sont souvent constipés là. Il faut jeûner. Quand tu jeûnes, je te dis bien qu'après 2 jours, 1 jour même parfois là, directement là, ça t'envoie où c'est. Puisque c'est les déchets qui sont stockés. Donc quand tu jeûnes automatiquement, tout obéit selon ton esprit, selon ta volonté. Ah oui, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Je vois parfois les gens, que quand il est constipé, il ne fait que manger, il ne fait que manger, le ventre est ballonné, il veut... Non, tiens, tu t'étouffes. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Et quand tu jeûnes, c'est comme si tu disparais. Moi, vous savez, j'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. Et pour tous ceux qui ont fait le Soudan, pour avoir la carte de séjour, il fallait se transformer comme un étudiant du Coran dans les Kralois. Dans les Kralois, les pays arabes, là, ils ont le Kralois, le Madrasa. Donc, quand tu as fait les pays comme le Soudan, j'ai appris à jeûner là-bas beaucoup. Je jeûnais tellement beaucoup même. Et que tu aies le bac ou pas, tu pars d'abord à l'université. À Jama Islamia. Ah, j'ai oublié le nom de ça. Jama Islamia. Tu commences un peu à te former, tu parles la langue arabe. À un moment, quand tu te concentres avec l'islam, tu jeûnes parfois. Le jeûne est très bien. Quand vous voyez les gars du Wall Street Center là, c'est les gars qui ont jeûné. On te dit qu'un gars a pris 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Pour réussir un coup comme ça là, tu crois que c'est facile?
Tu crois que c'est facile? Aller dans le pays des autres, réussir un coup comme ça. On t'a dit que c'est les gens comme toi et moi là. C'est les gens qui ont suivi une cure spirituelle. Donc même la justice que nous réclamons là, nous devons jeûner. Nous devons nous concentrer. Nous devons prier. Et le jeûne ne t'empêche pas de vaquer à tes occupations. Tu jeûnes, tu médites. C'est très important. Tu demandes à Dieu ce que tu veux. Et tu verras que il va te donner les 100% de ce que tu demandes. Ou peut-être les 50%. Et tu es sûr que tu auras cela. Bon, beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ont de la peine. Oh, a dit, oh, je vais gêner, je vais. Non, beaucoup ne gênent pas. Beaucoup ne gênent pas. Même chez toi, même quand il y a les problèmes avec ta femme ou bien avec ton mari, il faut gêner pour que le pire n'arrive pas. Le temps que tu cries là, entre dans ton jeûne. Ça va te faire changer de manière de penser. Ça va te faire prendre une autre décision. Oui. Le jeûne nous met à notre vraie place. Et il n'y a rien de beau quand tu as les enfants à la maison. Quel que soit ton salaire, quel que soit ton rang social, si tu as un papa qui est chiche, qui n'a pas souvent la réaction de garder les enfants à la maison, sache que tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. Si tu peux avoir même 1 million par mois, je te jure que tu t'amuses avant la fin du mois, les 1 million sont déjà finis. Quand tu es quelqu'un, quand tu rentres chaque soir à la maison, tu es incapable de garder tes enfants. Les yaourts, les petits gâteaux, les petits bonbons, c'est très important dans notre vie. Voilà la première bénédiction. Voilà pourquoi il y a des personnes spirituelles, quand ils savent qu'il y a un enfant quelque part, ils ont l'habitude de garder des petits cadeaux, des petits jouets. Mais vous allez voir un homme est là, il a tous les problèmes du monde, alors qu'il a des petits enfants à la maison. Comment tu as les petits-enfants à la maison et tu n'arrives pas à payer ton loyer? Tous les mois, tu as les problèmes, les mêmes problèmes tous les mois. C'est parce que tu es chiche avec tes enfants. Tu es chiche avec tes enfants. Tu payes la pension, ça ne suffit pas. Tu payes les habits, ça ne suffit pas. Il faut faire des petits cadeaux aux enfants. C'est des esprits. C'est des esprits. Parfois, je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir avec mes nombres d'enfants que moi j'ai. Oui, parce que parfois, je me demande, j'ai souvent loué les maisons où je payais. Je payais très cher, mais je m'en sortais. Parfois, je viens comme ça au Cameroun, je monte une affaire, l'argent finit. Je regarde mes enfants à l'aéroport, on sait comment ça pleurer. Mais, comme je suis toujours quelqu'un. Je sacrifie au moins 3 jours, 2 jours par semaine. Quand en rentrant, je vais garder quelque chose. C'est très important. Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que toi, tu le fais? Ouais, bien sûr. Il y a mon jus de canne. Il y a mon numéro. Voilà mon numéro MTN. Voilà. 683 40 97 55. Pour tous ceux et celles qui veulent consommer du jus de canne, voilà. N'hésitez pas. J'ai une grosse commande demain très tôt. Il fallait absolument que. Je fasse au moins les 2 tiers. Donc, j'ai pu faire les 2,5 sur les 1, sur les, voilà, sur les 3 tiers comme j'avais commandé. Donc, voilà, il faut toujours jeûner, mes chers frères et sœurs. Le jeûne est très important. Le jeûne est très important. Parce que tu deviens un homme saint. On n'est pas saint quand on a les cacas dans nous. Vous ne comprenez pas?
Comment tu veux que le Saint-Esprit vienne en toi? Comment tu veux que Dieu t'accueille alors que tu es sale? Ouais, je prends un exemple. N'est-ce pas, quand tu tues un animal, tu vas dans le gésier, tu nettoies, tu enlèves tout ce qui est sale. Voilà, c'est ça alors. J'explique terre à terre. Voilà le pourquoi quand tu jeûnes, ok, tu es pur. Tu es pur. Quand tu jeûnes, tu es pur. Et c'est le temps pour toi de te concentrer pour demander à Dieu ce que tu veux. Et là, tu es pur, tu n'as rien dans ton ventre. Et quand tu parles, non, en fiche-toi de l'odeur. C'est l'odeur qui sort du fond de ton ventre. Et là, tu es sincère. Ta langue ne te trompe pas. Pourquoi? Parce que ça vient de ton fond du ventre et tu n'as rien à l'intérieur. Voilà pourquoi le jeûne est très important. Vous voyez, même dans toutes les religions, on le jeûne. Non, ce n'est pas une culture ou bien une tradition religieuse. Non, c'est ancestral. C'est ancestral. Mon oncle m'a dit que mon grand-père jeûnait beaucoup. Mon oncle m'a dit que mon grand-père jeûnait beaucoup. Vous croyez que pour mener les combats comme les Ernest Ouandié, les Félix Moumier, les Martin Paul Samba, c'était des hommes spirituels. C'était des hommes qui jeûnaient. Même les sorciers jeûnent. Combien de fois toi tu jeûnes pas? C'est pourquoi quand Dieu rencontre, quand le sorcier rencontre un jeune, peut-être un petit voyou du quartier, vous savez pourquoi le sorcier n'attaque pas les voyous? Parce que le voyou est parfois celui-là qui n'a pas de quoi manger. Donc il jeûne lui-même sans connaître. Et le diable ne s'attaque pas à un esprit qui est sain. À un esprit qui est soi-disant, entre guillemets, vide. Quand tu es vide, ça veut dire que tu es puissant. Quand tu jeûnes parfois, marche avec, dépose tes pieds sur le sol. Marche pieds nus. Marche pieds nus. C'est très important le jeûne. Très important. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Oui. Même dans votre Vatican, là, on jeûne là-bas. Même les Grecs là, ils jeûnent beaucoup. Les Maltais jeûnent. Les Francs Maltais là. Quand nous étions en Malte là, moi, ils partaient souvent au temple là-bas. Le temple des Francs Maltais là pour manger parce qu'il y a toute la nourriture là-bas. Voilà comment un homme jeûne. Un homme est devant toi, il est blanc. Il a tout jeûné. C'est l'un des premiers piliers. Que ce soit toutes les pratiques du monde, applique le jeûne. Les chrétiens même jeûnent. Vous croyez c'est quoi? C'est l'un des piliers les plus recommandés. Les chrétiens jeûnent. Les sorciers jeûnent. Les musulmans jeûnent. Toi, pourquoi tu ne jeûnes pas? Tu dois jeûner au moins 10 jours sur 50. C'est-à-dire chaque jour tu manges à 6h, à 18h. Chaque jour tu manges à 18h. Tu peux prendre ça 3 jours, 5 jours. Et à un certain âge, ça commence à faire mal, tu as les vertiges. Je te conseille de consommer le jus de canne ou bien le sucre brun fait à base de jus de canne. Tu le prends le matin, tu prends ça chaud avec du citron. Très tôt le matin, 4h, 5h, avant 6h. Parce que tu vas couper ton jeûne à 18h. Si nous tous sommes jeunes là et on réclame justice pour Martinez Ogo, vous allez voir que quelque chose va changer. Mais oui. Donc voilà, le jeûne est très important. Non, ah putain, moi je ne sais pas. Moi j'ai mon champ, je me bats à ma manière. Il faut que nous jeûnons pour demander justice pour Martinez Ogo. Si vraiment nous voulons la justice, nous avons déjà fait et nous devons continuer à mettre la pression. Et ce qui est sûr et certain, cette fois-ci, ils ne vont pas nous rater. Sinon, nous devons gêner. Même pour organiser, le Camerounais est l'une des personnes qui ne gêne pas. C'est un constat que j'ai fait. Un peuple qui ne gêne pas, comment voulez-vous qu'on nous s'en sorte de face aux gens qui font des pratiques? Qui font des crimes aussi crapuleux. Ça, c'est pour satisfaire leurs besoins, leurs sales besoins. Ils ont des envies.
Qu'est-ce qu'il sait s'ils n'ont même pas bu le sang de Martinez Ogo là-bas? Donc face aux gens pareils, ils font des pratiques pareilles. Les filles qu'on enlève là, on tue là, on fait des pratiques. Les personnes qui disparaissent, les crimes rituels, vous croyez que c'est quoi? Il faut gêner pour ne pas tomber dans leur maille. Il faut gêner. Il faut gêner. J'interpelle les activistes, il faut gêner. Il faut gêner. Le jeûne est très important. Et les Camerounais ne jeûnent pas. Les Camerounais ne jeûnent pas. Le jeûne même te fait dévoiler certaines maladies en toi que depuis les années dont tu souffres, mais même le docteur ignorait. Le jeûne est très important. Le jeûne est important. Je connais une maman qui était malade. Elle faisait les examens, on ne voyait jamais son mal. Mais elle a jeûné et elle est partie faire les examens. On a trouvé le mal. Le jeûne est très important. Donc c'est très important ce que je voulais vous dire ce soir. Aussi, il faut tout prendre ton temps. Prends ton temps. Ne jamais perdre l'espoir. Quand tu sais que tu as travaillé dur, attends ton salaire. Perds pas espoir. Il ne sert à rien de prendre le coup chemin. Faut pas marcher à les gens parce qu'ils ont l'argent en croyant que ta vie va changer. Au contraire, ils risquent d'empirer ta situation. Alors aujourd'hui, un jeune gars qui avait le gros cœur, tout le monde doit être envieux, mais pas avoir le gros cœur. Envie, apprécie. Chacun, nous tous, on est à la recherche du bien-être. Mais, pas à tout prix. C'est pas parce que tu marches avec un milliardaire que tu es là sorti de tes problèmes. Au contraire, tu t'amuses. Tu vas te retrouver dans les gros problèmes. Donc que ça nous serve la leçon. Même toi, le jeune qui regarde là. Non, chaque chose a son temps. Travaille. Tu vois ta récompense au moment venu. Peut-être le moment venu là, celui dont tu regardais, tu admirais, tu enviais tellement. Peut-être qu'il est en prison. Oui, il est même mort. Parce que pendant que tu l'admirais là, c'était du bluff. Il avait vendu son âme au diable. Donc c'est pourquoi j'ai dit, quand tu sais où tu vas, prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps quand tu sais où tu vas. C'est pas la course, c'est pas la guerre. C'est aussi un autre problème de la jeunesse là-bas. Quand tu vois, tu pars vers des pays comme la Tanzanie, Rwanda, Kenya. Tu vois les jeunes là-bas. Ouais, un gars a pris sa voiture neuf. Tu sais, d'abord, les voitures occasion n'entrent pas là-bas, au Kenya. Alors, comment une jeune fille, elle travaille, elle a pris sa voiture, sa petite voiture, tranquille, maison à crédit. Ils sont honnêtes. Toi, le Camerounais, quand tu viens d'arriver, quand tu les vois s'habiller dans la rue, tu dis que ce sont les villageois. Non, ça fait le temps que tu te rends compte que nous sommes des villageois. C'est nous les villageois. Ça sert à quoi que tu es bien vêtu alors que tu as tous les problèmes du monde. Tu n'arrives même pas à payer ton studio. Tu n'arrives pas à payer ton studio. Tu vas voir un Kenyan au fur et à mesure, il gravit les échelons, il gravit les échelons, il gravit les échelons dans son lieu de service. Demain, il devient patron. Sans envier personne. Sans être redevable avec personne. C'est même ça la vraie réussite. Réussir sans être redevable à une personne. C'est-à-dire, tu n'as pas fait le faux pour être là où tu es là. Tu as mérité. Tu ne dois jamais subir le chantage. Voilà pourquoi nous sommes dans une société qui est détruite. Parce que chacun tient chacun. Chacun tient chacun. Méfie-toi qu'on te tienne. Méfie-toi qu'on te tienne. Chaque être humain doit d'abord être libre soi-même. Tu peux avoir un patron, oui. Tu peux avoir un collaborateur, oui. Mais méfie-toi qu'on te tienne parce que tu as commis certains dégâts hier. Oui. Donc voilà. Il faut beaucoup faire attention. Tu sais, vous passez une bonne soirée, voilà. Je vais dormir. On était ensemble. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous protège. Et il y a les produits, hein.
produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, on a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà. Mon numéro est là, 683 40 97 55. Voilà. Ouais, merci pour le. Oui, merci. Le projet pour l'orphelinat. Je demande que celui qui peut m'envoyer un lit en étage, je lui dis déjà merci. N'hésitez pas de m'appeler. Le projet de l'orphelinat, oui, c'est un gros projet. Il me faut les lits. Il me faut les lits. Il me faut les matelas. Donc voilà. Il me faut les chaises. Il me faut les tables. Donc si tu as 5 francs, si tu as 1000 francs, tu n'envoies pas mon Orange Money, oui, mais MTN Money. Bon, tu peux m'avoir à toute heure sur mon numéro 683 40 97 55. Il y a les produits pour maigrir, 3 boîtes, Lily Slim, voilà. Il y a les produits pour la calvitie, les chutes de cheveux, voilà. Les chutes de cheveux, calvitie, et si tu veux la barbe, voilà. Il y a aussi les produits pour la goutte, voilà. Donc, on était ensemble. Merci à toi, bro, le pro. Merci à toi. Merci à toi pour le soutien déjà. On a beaucoup de choses à faire dans ce pays. On a beaucoup de choses à faire. Il est anormal dans un pays où il y a des veuves. Voilà.